Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode. Ils sont là, ils sont de retour, nos sympathiques aventuriers, nos brillants candidats pour une nouvelle partie de la roue de l'infortune. Pour un épisode de la roue de l'infortune. Le voilà, cette raclure de hache. Cette fois, il est fait comme un rat. Ouais, voici, on va lui péter sa gueule. Attention, la roue est encore là. Approchez, approchez, n'ayez pas peur, la mort bon. N'est que le recommencement. C'est pas que je vous aime pas, mais on va passer, on l'a déjà vu. Déjà vu, déjà donné. Vaincre Killux et Victoria. Donc, D-O-N-C-K-E-N-T-E-S, c'est eux deux qui nous intéressent et absolument rien d'autre. À partir de là, la stratégique. La stratégie voudrait que... Ouais, j'ai envie de dire rugby. Hein. On a tenté par le centre. Mais par le centre, on va se taper et les Globzoul et les orques. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller chercher les Globzoul? Reste là. Je vais te mettre une elfe dans les côtes. Je vais te mettre un gros devant. Un autre gros là. Un autre gros par là. Une grosse par ici. T'as des bonus toi avec ton pote Ouais, avec l'ogre. Notre. D'accord, notre voleur qui a un bonus avec le rangé. Ok. Baston. On va se la tenter comme ça. Tous les dégâts et les ennemis gagnent peau de pierre. Chiant. Alors le goût du jeu, je sais pas ce que c'est. Ah, coup de bouclier, coup de... plein dans le nez, la cible est étourdie. Ah oui, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de niveau depuis. Il s'est passé des choses. Est-ce qu'on peut toucher des trucs? J'ai libéré des poulets. Des poulets d'assaut. Juste après, c'est un gobelin. Puis un orc. Ouais, en plus c'est lui qui joue là. Jusqu'où toi? Ici. Il pourra m'atteindre. Je vais pas bouger. J'aurais dû jouer les gobelins, parce que de mémoire ils sont trop chiants les deux gobs. Ah c'est ça avec leurs grenades et tout. Chiant sur 20. À moi. Ok c'est bien, ça fait diversion. Ils sont pas contents. Un barbare. Non, j'ai pas envie. Ouais, ça peut être marrant ça. 34% de chance, ouais, ok, d'accord, je te toucherai jamais. C'est fort intéressant. Poulet. Ah. Je me suis peut-être tiré de balle dans le pied. Mes chers auditeurs. Je vais démêler cette affaire avec l'Auréliane. Il est beaucoup trop relou ce gobelin. Qu'est-ce que tu peux faire ma fille? Pas grand chose hein. T'approches pas trop près. On peut balancer des gifs de Namzar comment? Comme ça? Ça a l'air drôle ça, vas-y. Toga, voilà. Boum. Ah, non t'as les pieds dans l'eau. Pas dans l'eau. Allez. Un peu le où on a le fait. Comme ça. Je suis d'accord. Tac 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 tac. Est-ce que finalement. Oh voilà. Est-ce que finalement. Il y aurait pas une petite destinée qui serait en train de se dessiner? Joli. Je suis satisfait de ton travail, de ton ouvrage. Moi j'ai envie de coller un gros. Genre vraiment là. Comme un gros. Ma souris qui fait des multiclics, hein. Désolé pour le placement. Ah! La meilleure agilité, bien sûr, les orques toujours. Ok. Je suis obligé à gaspiller une attaque sur les poulets, franchement. J'ai tout gagné.
Je sais pas comment dire à quel point j'ai tout gagné. Eh, mon nain, tu m'emmerdes un peu. Mais vas-y, va falloir courir, va falloir s'y mettre. Hein. Zombie cassé. C'est bien, ils gaspillent leurs grenades sur mes gars, ça me va formidablement bien. Je pense qu'il est temps de disparaître. Ouais, ouais, disparaît. Je ne suis pas là. Tu n'as d'ailleurs jamais été là. Tout le monde le sait. Oh, le poulet enragé. Ils sont le démon, les poulets. Ils sont le démon. Quel con. Tu veux vraiment te friter contre le nain, toi? Un volontaire dans le public. Ah non, ouais, c'est ça qu'elle est chiante. À moi. Donc ça s'aborde notre initiative. Donc je vais avoir mon barbare qui va jouer avant. Oh putain. C'est Darkest Dungeon, faut rester cool. Il est immunisé contre la glisse. Il est surfeur, ascendant, snowboarder, et il est immunisé contre la glisse. Serre les dents. Je suis d'accord, mais il va falloir avancer, mon pote. Hein. En plus, tu peux avancer que de là. Ah, tu m'énerves. Vraiment, tu fais aucun effort. Hein. Ouais, tu vas mettre des gifs dans le vide. Tu vas la pousser dans le vide. Tu vas rien faire, quoi. Tout est vide. Tout ce que tu vas faire est vide. Parce que tu la toucheras jamais. 55% de chance de la toucher. Ah, vraiment. On va toucher. Le cadavre par terre, j'en ai rien à carrer. Tu sais quoi, tu viens même au maximum de ton déplacement comme ça. Ouais, je m'en fous, toi au moins le gobelin, si tu pars, t'en prendras une. Torgnole façon Gurdil. Voilà. Zapibili. C'est vraiment. Quelle bande de kikos. Hein. Tac tac tac. Non, mais. Ah, je peux même pas le soigner tant qu'il est parvenu dans mes rangs. Super. Ah, j'ai la boule de feu. J'ai la boule de feu. Oh, je peux OS le sniper. Je suis déjà empoisonné, non? Ah non. Ouais, du coup, je suis parti du côté où il n'y avait pas tellement besoin. Tu m'as vu venir, celle-là.
Donc aucun réflexe, on pourra pas esquiver, c'est ça leur projet. Ok, bon. Y'a pire. Qu'est-ce que t'as ? Retire l'effet enflammé, empoisonné, machin, blabla, ok. Stabiliser, machin. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Mmh. Bah lui surtout là, il est dangereux. Je peux lui faire des dégâts d'étourdi, mais ça marchera jamais contre ce gros. Lui il est immunisé à tout. Lui il est genre immunisé à tout. 53% de physique et tout. Oh, il est trop horrible. Je vais quand même le tenter. Allez. Je vais quand même le tenter. Oh, ça a marché. Alors là. Si je joue pas le boss avec ça. Vas-y, vas-y, tu peux pas bouger, hein, gobelin. Ah mais s'il se tire et le monde, il peut même pas lui taper dessus. Je comprendrai jamais comment ça marche. Hein. On peut être bourrin et subtil avec un deal. Elle est parfaite. Elle est franchement en vrai. Elle est par terre. T'as 100% de son, je vais gifler. Gifle là. Voilà, prends-lui le respect. Je vais te la laisser. On a un autre gros à gérer après. Sur mon voleur. Ah non. Sur ma magicienne, bien sûr, quelle question. Oh, mais ça pique. Tornade, droit devant, machin. Non, j'ai rien, j'ai besoin de rien. Casse-lui juste la gueule, quoi. Quoique, replace-toi d'abord, peut-être. Genre, en fait, bien ici. Voilà. Et puis, tabasse-la. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi, je leur cause jamais aucune attaque voilà. Moi, si je bouge, je me prends des attaques d'opportunité, mais... C'est pas tout le monde, visiblement. Ah oui, il est chiant. Permettre de récupérer des énergies. C'est encore plus laid que les nains. Ah, échec critique, bien sûr, ouais. J'allais en tuer, là. Toujours. J'allais le tuer, ce connard. C'est bon, je le tue quand même. Mais échec critique de fou. La malhonnêteté de ce jeu. Je te parle plus, encore. La malhonnêteté de ce jeu, au secours. J'ai pris ce qu'elle m'a collé, cette connasse. Bah, tous ceux qui peuvent devenir furtifs deviennent furtifs. Donc ce gobelin de ses morts. Mais comment l'autre est devenu invisible à côté de moi là, lol. T'es censé me la révéler maintenant le jeu en fait. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Tu m'attraperas pas, nananère.
est-ce qu'on tape? Alors idéalement, il faudrait que tu tapes là-dedans, là. Voilà. Baston ou les deux? Je le tuerai pas. Vas-y. Et l'autre, elle a réussi. Elle a réussi à devenir invisible, je sais pas comment. Mais ok. Ouais, rototo là-dessus, hein, vas-y. Hein. Ah, j'aurais dû viser la case où elle était. Ah oui, mais elle y est plus, c'est ça l'idée. Je peux pas venir là parce qu'elle est là. C'est dégueulasse. Et je suis obligé de subir ça. Non mais... Des orques, par Chrome, on va leur latter la gueule. Elle vient de me niquer le tour de mon nain. Merci le jeu et ses bugs. Ouais, bah reste comme ça. Oh, j'ai envie de DPS tout mon crew. Ouais. Ah ouais. Ouais, désolé. Et maintenant je la vois cette connasse. Voilà, j'ai tout gagné. Ça me fait sortir du brouillard, mais j'enlève le bonus à mes deux alliés, donc je ne bouge pas. On peut éviter d'enchaîner des échecs critiques, merci. Parade critique. Mais c'est une blague. Mais c'est une putain de grosse blague. Mais putain quoi. Ouais bah vas-y, tue mon voleur. Hein. A raté quand même, ouais, j'espère bien un peu à un moment donné. Faut pas déconner. Oh le jeu infâme quoi. Bah tu vas pas l'appeler longtemps ton volontaire, hein, je te préviens. J'ai la gerbe. Oh la malhonnêteté du jeu quoi, j'aurais pu gagner déjà... J'aurais fait deux cadavres de plus si mon voleur avait pas fait deux échecs critiques d'affilée avec sa parade critique. Tout bordel là. T'as quoi? T'as 50 effets sur toi? T'es empoisonné? Non, mais je veux pas ça moi. Je veux absolument que tu tabasses quelque chose ou quelqu'un. Ah oui, t'as pas le choix, t'es au corps à corps contre ce gros là. Ah vas-y. On va peut-être réussir à le trucider à un moment donné, ce connard. Aïe! Même pas mal! Même pas mal! Plus baston! On va dire que cette action m'arrange un peu. Je vais démêler cette affaire avec l'Omélian! Si le mec réduit sensiblement mes possibilités, est-ce que tu peux me tuer cette connasse? Donc, bien sûr, un critique sur un cadavre, hein, vachement utile. Merci mec. Franchement, tu turbogères. Hein. Oh, si t'avais pas fait ça, je sais pas ce qui se serait passé sans toi. J'ai plus point de vie. Ah, il a pas eu quand même. Hein. Et merde, en effet. Blosse-moi ce connard quand même. Et paf! Dégage! Et j'ai envie de te dire. Prends l'action bonus. Oui? Prends cette action. Merci.
Cale-toi une potion de soin. Attends, ça régène aussi de la. De l'endu par tour aussi. Ouais, vas-y. Va pour une saucisse. Ouais, ma fifi. Un petit tir dans le pack, là. Oh, une petite flèche dans le pack, là. Ça fait un mort. Je suis d'accord pour que tu sortes de là. Tu peux soigner. Si tu pourrais soigner le barbare, mais ça peut encore attendre en vrai un tour. Je sais qu'il a déjà joué, mais bon, plus vite il dégage, mieux c'est. T'as réussi à rater le gros? C'est vraiment ce qui s'est passé? Je savais pas que c'était possible. Oh ouais, ça c'est drôle. Je suis preneur. Je suis très preneur. Je suis très client. Mais... Si je me prends une attaque de flanc... Ils viennent de one-shot to mailer. Mais cette blague. Cette blague que je viens de me prendre? Vraiment? Terminé. Ah oui, parce qu'avec le poison, ça l'a fini. Bon bah, parfait. Pote, faut que tu viennes là. Hein. Ouais, non, mais il faut absolument me relever tout ce compte d'huile, sinon la game elle est perdue en fait. Merci le jeu. Hein. Allez. Ah, c'est pas mal. Torgnol, façon Gurnil. Ouais, alors il serait grand temps de me tuer quelqu'un à un moment donné. Alors, il peut me tuer le gros vert, il peut me tuer le gobelin. Bon bah je vais tuer le gros vert. Hein. Attaque dans le dos, je vais pas me gêner. Ah, il met un étourdi. Ah non mais les gobelins quoi. Les gobelins sont si forts en fait. C'est une dinguerie. Dégâts. Tape-moi comme ça autant de fois que tu veux. Vraiment, je te l'offre, c'est infini. Bon, est-ce que l'inventeur va me retuer tout le monde? Plus l'autre, il va me balancer un. Ah non, mais l'autre, il va me faire 8 dégâts et. Voilà. Il va viser mon ranger. Esquivez! Merci, une esquive. Relève-moi une sorcière. Serre les dents. Mais qu'est-ce que. C'est. Oui. Et tu vas foncer tout droit. Quoique non, tout droit par là, parce qu'il est plutôt par là lui en fait. Pourquoi je m'embête? Fonce. Enfile-toi une saucisse, mon pote. J'aimerais bien que tu me finisses ce sorcier noir là, voilà.
Mets le paquet, ma gueule. Dégage, t'es sur mon chemin. Relève-moi l'autre healeuse. Vraiment, c'est... balle de lâche de traite dans le dos là. Soin revigorant, bah bien sûr. Bah bien sûr. Pourquoi se priver? Qu'est-ce qu'il va me faire l'autre? Ok. Il m'a pas couché mon voleur, ça va. Avec Gorzin, on est pas toutes les tâches. C'est trop injuste. Est-ce que tu peux me casser ce truc? C'est bon d'être vivant, non? C'est pas mal d'être vivant, je suis gueule. Vivant. Oui, tu es vivant. J'ai pas l'énergie astrale nécessaire. Faudrait que j'attende un tour de plus. Mais je vais pas... Là on dépense, hein. Là j'ai pas le temps, les combats ils sont trop hard. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Ah putain, oui mais ça m'a niqué, ça c'est vraiment... Bah j'ai dépensé une potion pour rien. Je ne suis pas là. Tous les ennemis deviennent furtifs, mais bien sûr. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Ah, donc l'autre il est pas devenu furtif ce coup-ci. Donc c'était bien un bug. On peut être bourrin et subtil avec Cordil. Ici, et puis j'ai mangé un truc lourd. Et je fais des échecs critiques, je vais péter un boulard. Je vais vraiment, vraiment, à deux doigts de devenir fou là. C'est le jeu fait tout pour pas que je gagne quoi. Il se donne un mal de dingue. Oui ma fille, viens ici. Excellent. Et frouf. Esquiver. En plus, il esquive, c'est une caisse à points de vie, c'est infernal. Je sais pas. A besoin de plus d'endurance? Bah j'ai... Ah non, j'ai plus d'endu. Ah ben non, j'ai plus d'endu. Un flûte. Ah, l'endu qui est devenu une denrée si rare. Ah, c'est esquivé. Aucun réflexe, youpi. Je me sens pas bien. Tu m'étonnes, Elton.
25 de soins, guérit tous les états, étourdi, KO. Et non, mais bon, elle a pas d'état, donc il n'y a pas de problème. Je tirerais bien une flèche sur l'autre bâtard, mais je vais encore avoir aucune chance de le toucher. Donc je vais venir ici. De chèvre. Et je vais tirer. Mais il s'en fout, il esquive tout l'autre. Là, ça a tombé par terre. Avec ah, ils sont pas encore tombés, les gros. Hein. C'est. Ça va arriver, hein. Ah, ah oui, si je viens là, je me prends une. Ah non. Tac, tac, ouais, ça. Pas de. Ah, par contre, j'ai mis le paquet, ok, d'accord. J'ai plus de mana. Bon. Dommage. Je reste caché derrière l'ogre. Bah, mets-toi ta potion ou pas, tu peux plus rien faire. Hein. La bière, c'est meilleur. Peut-être y arriver à un moment donné. Hein. Ça a pas bon goût, les potions. Alors, c'est pas garanti parce que l'autre gobelin il peut régénérer de la vie à n'importe quel moment et je le touche pas. Donc, soit revigorant. Bah voilà, il va regagner de la vie. En plus, vu que c'est des gobes, ils jouent tous les deux avant moi. Un gobelin, ah, ça va. Sans gobelin, ça craint. C'est c'est heureusement, faut beaucoup de healers. Hein. Je comprends les choix qui ont été faits en termes de personnages. Attention à mes livres. Par la commune de manière générale. Je pourrais pousser ce gobelin. Oh, si ça passe. Hein. Heureusement, ça passe pas. Ce pilon de poulet. Parce que ça aurait été incroyable. Ouais, viens là. Ouais. Raté. Oh tiens, ils ont raté un truc pour une fois. Le Ranger de Loubet. Du même pays que la saucisse. La fameuse. Le coup de bouclier. Ouais, c'est peut-être un peu trop. Hein. Jette un coup d'épée comme ça, tranquille. Ouais, c'est raté, évidemment. Évidemment. On peut être bourrin et subtil avec... Il a pété ma sorcière, évidemment. Rien de tel qu'une bonne bagarre avec des pochetrons. Ouais.
Il est immunisé aux chutes. Non mais oh, ça va? Ça va, oui? T'es immunisé à ça aussi? Il est immunisé à tout. Je vais péter un plomb. Allez, plus qu'un tour parce qu'en plus de ça, elle a été empoisonnée. Quel plaisir. Oh, c'est pour mon voleur. C'est le moment de sa vie. C'est le moment, c'est son exploit. Je rends l'antenne. Assassinat. Ça va mieux. Ah, les malfringues et les mauviettes. Le voleur gagne un niveau. Non, mais on soigne rien. Par contre, on prend tout. Hein. Waouh, il y a une belle liste. Hein. Ah oui, le combat était violent, le combat était méchant. Mon maître, j'ai échoué. Jingle. Ah, tu fais moins le malin, tête de poivron. Ouais, on va te laisser crever dans tes tripes, et puis on se relèvera la nuit pour venir cracher sur ton cadavre. Et puis on enlèvera pas les taches sur tes vêtements. Eh ben, il va sacrément souffrir. C'est trop méchant, tu crois? Maître, pourquoi m'avez-vous abandonné? Tu m'as bien servi, Kilux, mais j'ai un autre plan. À l'intérieur de mon plan. Ah, il faudra que je trouve un autre serviteur. J'avais contacté Pandémonium Emploi. Vous avez entendu la voix? Ça doit être un démon qui parle. Il sert sans doute manque de bol lui aussi. Montre-toi, qu'on t'arrange la face. Oui, montre-toi. Que le barbare t'affronte. Je crois qu'il nous nargue. Mieux vaut ne pas traîner ici. Oui, allons voir le Golbarg pour échapper à ce démon. Et... zut. On est coincé entre deux démons. C'est mal barré. C'est pas grave, on a tout looté. Ouais. On leur a cassé la gueule. Ouais. On a été épique. Ouais. Et là, et on a un ogre. Attention à ta tendinite, vieux. Ouais. Et on a presque pas eu mal. On est mort. C'est bon pour vous. Je supervise l'ouverture. Il y a des choses à prendre. Il y a des choses qui ont été prises. Voilà. Donc là, bien entendu, on débloque le raccourci. Mais attends, on va faire le tour de ça, là. Il y a peut-être des choses... Appuyez sur Tab en même temps que tu manœuvres avec ZQSD. J'explique, c'est d'un pratique. À se couper la saucisse de Loubet, quoi. C'est la bonne touche. Enfin, si c'est la bonne touche, mais je crois que c'est Tab. Honnêtement, est-ce que je vous abandonnerai pas là? On fait peut-être un petit tour au stuff. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on va à la taverne. Faire un petit repos vite fait. On va regarder le stuff. On va voir ce qu'on met à qui, à quoi. Ceux qui ont passé de niveau. On fait un petit passage de niveau. Et ouais, se reposer, parce que ça coûte beaucoup moins cher de se reposer que de claquer des potions, des trousses, des machins. Ouais, tu t'en sors jamais, quoi. Ce qui est dommage, c'est que les potions et tous les consommables... Enfin, j'ai envie de dire sauf la grenade, mais bon, techniquement, la grenade aussi. Ce qui est dommage, c'est que tous ces consommables utilisent l'action principale au lieu, par exemple, d'utiliser l'action de mouvement. Et là, par exemple, ça aurait rendu le voleur si rentable, là. Tu le charges de grenade. Il te fait grenade into assassinat. Voilà, il se régale. Se reposer. 150... Ah, ça a augmenté. Mais on va en profiter quand même, parce qu'on a un peu mal à la gueule. C'est encore augmenté? Bon, c'est bon. Donc. Un petit tour, déjà. Pas mes poches. Il est peut-être temps d'améliorer nos compagnons. Bien sûr, on va changer de niveau d'armure. Ça me paraît évident. Poudre aveuglante de tue-la-mort. Une poudre explosive qui crée un flash de lumière réduisant la précision des personnages dans la zone. Pas sûr. Achever lâchement. Une attaque au corps à corps qui fait regagner un point d'action au voleur s'il achève la cible.
C'est fat ? Oh, c'est extra fat ? De nouvelles compétences, de nouveaux risques à prendre. Donc ça, ça augmente son impact. Ça, ça augmente sa précision physique. Donc on a 85% vanilla, hein. C'est ça qu'ils sont en train de me dire, les gars. Donc là, on passera à 89. Je suis pas d'accord, redescendre un point. Je suis d'accord pour augmenter un petit peu ses dégâts, Garen, ce qui fait un peu pitié. Le nain ! Ouais ! Alors, notre nain, il touche mieux maintenant, ça fait plaisir. Même si 71%, c'est largement suffisant pour un nain. Plus de force. Et plus de constit. Hein. Ouais, ouais. Complètement d'accord. Juste un... Toujours ma souris qui fait des siennes. Alors, le nain, il a débloqué d'autres choses. Debout, la cible devient chiante et obtient un bonus de mouvement. Soyez également les états étourdis et renversés. Ah, c'est pas mal. La cible subit des dégâts et est repoussée de deux cases à coup de bouclier dans les dents. Une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le nain. La décourage et l'incite à vous attaquer. C'est pas mal aussi. Le petit coup de pied de heal, là, hein. Il me parle bien. Les 4 points de vie par niveau, c'est pas sale. Ah, le nain gagne 20 d'endu de maximum. Allez. Comment je savate les poneys ? De ouf, mec. Les poneys, ils ont aucune chance, hein. Ça, tu remets en emplacement de ceinture 3. Qu'est-ce qu'on a ? De la résistance magique. J'ai des noisettes pour les écureuils. Parce qu'on n'en a pas rien à carrer. Régène d'énergie astrale. Ça fait pas le taf. Ah si, attends, c'est un collier qui donne de la régène de... d'énergie astrale, ça ? Dans le même collier, mais en mieux ? Ah bah oui. C'était quoi l'autre ? T'as quoi, toi, comme truc résistance magique. Ok, t'as un truc pourquoi nul. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme. Constitution, résistance physique, mais non, ça prend sur toi. C'est... Courage, intelligence. Ah, plus d'initiative sur mon voleur. Pendentif d'inconfiance. Parade 3. Oh là là, là le sujet est sensible. Hein. De la résistance physique et du courage. Est-ce que je te mettrais pas de, un collier de résistance à l'ivresse sur toi? Et... Hein? Tu peux pas l'avoir? Si. Améliore du courage des ogres. Allez, c'est réservé aux ogres. Ah non? Ok, tu peux l'équiper. En vrai, c'est pas les bons items. C'est un peu dommage. Ceinture de catch. Un emplacement. Un de force, un de charisme. Joli. Joli, joli. Joli. Je suis toujours le plus démuni. Pas mon or, c'est mon précieux. Ah, c'est mon sac. Ils ont tous des ceintures deux emplacements. Ouais, ça fait, mais bon. Ah, attends, ton soin, toi, il est pas basé sur ton charisme, en fait. En vrai. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En fonction du charisme de l'elfe, c'est bien ça. Bon, après, t'as pas trop besoin de force, je crois. Mais vas-y, c'est rigolo, je vais mettre la ceinture de catch à l'elfe. Donc, c'est une tunique de défenseuse de la glande bruine. 3 de protection, 3 d'adresse. C'est très très joli. C'est équipé. Potion de vitesse, ça ajoute du mouvement, c'est nul. Ouais, prends ça. Pas utiliser, mais non, mais putain. Heureusement que j'en ai une chier des potions nulles. Toujours pas d'anneau. Tunique de compagnon aventurier. 3 de protection, 1 de courage. C'est nul. C'est vraiment chier. Un ogre. Des saucisses pur porc. Je pourrais t'ajouter quoi d'autre? Des saucisses de Loubet. Ouais! Ça, c'est du vrai stuff. Je m'y connais pas.
Au secours. En emplacement 2, une potion. T'as déjà des potions. Grenade. Et potion. Je donne rien à personne. Ah mais j'ai encore un jambon d'affinage de 6 mois. Attendez, 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 j'ai mal équipé mon ogre. Virez-moi ça. Je veux un vrai jambon quoi. Excellent. On va mettre une saucisse pure porc sur mon nain bien sûr. Et une potion quoi. Ah, bracelet de la grande binouze. Ça m'enlève de la résistance magique pour mettre du physique. C'est exactement les mêmes gants. C'est stricto réservé aux nains. C'est pas grave, je vais les équiper. C'est plus physique, plus solide encore. Pèlerine du canif bondissant. Ah, il y a pas photo, hein. Il y a pas photo. De la belle qualité. Ah oui. Qui pourrait se revendre un bon prix. Aussi. Certes. Oh, on a fait un petit bond en avant là avec cette histoire. On va commercer gentiment. L'élixir de l'oubli. Utilisable uniquement depuis l'inventaire. Ah oui, ça me permet de réinitialiser tous les points de compétence de mes gars si jamais je suis pas content. Bon, on va vivre comme ça. On va se prendre un petit jambon fumé quand même en réserve. L'argent doit circuler. C'est important. C'est important. Petite gourde d'eau croupie. Aguerri l'état enflammé, ouais. Non, c'est pas très intéressant après. Une amulette de régénération astrale de base, ça dégage. Cagoule rapiécé, c'est nul. Gantelet de Grimdur le manchot. Il avait qu'à avoir deux bras ce con. Je vais garder le grand marteau de frénésie violente parce que j'aimerais bien que l'ogre passe avec une arme à un moment donné. Ça devrait changer techniquement un peu sa vie. La tunique de l'elfe. Et voilà, on a tout passé. Voilà, et bah écoutez, il nous reste plus qu'à nous retrouver, je pense, dans le prochain épisode. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nullbuck.